Je vais vous montrer aujourd'hui comment trouver un vol vraiment pas cher pour les États-Unis. Alors, vous partez par exemple de Paris et vous voulez aller, vous savez pas trop dans quelle ville vous hésitez. Alors sur Kayak, on peut mettre plusieurs villes de destination. Il suffit de mettre une virgule entre les villes. Donc mettez par exemple Los Angeles, San Francisco, New York. Voilà. Donc on met ces trois villes, la date d'arrivée, la date de départ. Alors je vous conseille toujours de partir un jeudi et de revenir un mardi. En général, c'est la configuration la moins onéreuse. Donc voilà. Donc vous êtes un adulte et vous faites rechercher. Voilà alors. Exactement comme je vous disais. Donc vous partez un jeudi, vous revenez un mardi. C'est vraiment tout le temps la solution la plus avantageuse au niveau tarifaire. Donc ensuite, là sur votre gauche, vous avez donc les aéroports de destination. Donc vous pouvez cocher, mettons, sur uniquement New York. Donc New York, ça passe à 803 €. Donc c'est moins cher, paradoxalement, d'aller plus loin, d'aller à Los Angeles. Donc voilà. Au moins, ça vous donne un ordre d'idée des tarifs. Alors, bien sûr, vous avez 15 jours et vous n'avez pas envie de voir une seule ville. Vous voulez faire un road trip. Alors le mieux, ce que je vous conseille, c'est de réserver un vol multi-destination. En général, c'est à peine plus cher et ça vous permet vraiment de voir plus de choses en moins de temps. Donc par exemple, on va faire aux mêmes dates. On a vu que c'était le moins cher d'atterrir sur Los Angeles. Donc Los Angeles, donc toujours pareil, hein. Toujours 6 mois à l'avance si possible, c'est mieux pour les tarifs. Donc on va faire mois de mai, vous partez le jeudi, le vol intérieur de Los Angeles, on va faire même de San Francisco. Voilà. Donc le vol intérieur, vous allez le faire un mardi. Et vous allez rester une petite semaine à New York. Voilà. Donc une personne. Voilà, alors là vraiment c'est très avantageux, vous voyez pour 50 € en plus par rapport à l'aller-retour sur Paris-Los Angeles, vous faites un Paris-Los Angeles, vous faites ensuite un San Francisco-New York et ensuite New York-Paris. Donc vraiment là c'est l'idéal, ça vous permet de voir trois villes, de voir le maximum de choses en peu de temps et avec un tarif vraiment, vraiment très intéressant. Donc, n'oubliez pas de réserver 6 mois à l'avance, de comparer, d'être flexible sur les dates, de voyager si possible en semaine et surtout de réserver des vols multidestination. Je vous souhaite bon voyage et à bientôt pour d'autres tutos.